something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am and I've been taking. Bonjour tout le monde, je vais voilà, juste faire ça parce que sinon on va faire que du faire du flux. Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un des livres de ma collection. Donc aujourd'hui, ça va être le bloc, le grand bloc Magie, donc de chez Hachette Rose. Je sais plus du tout qui l'a mis en couleur. Par contre, j'ai pas gardé toutes les feuilles parce que sinon, ça... Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas gardé, mais j'ai pas gardé. Donc je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. Donc voilà. J'en ai fait un dans celui-ci. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Il est très avancé. Je vais noter un truc et je suis à vous. Voilà. Donc celui-ci, c'est ma soeur qui m'a dit qu'il fallait que je l'achète parce qu'il était bien et machin, et machin, et machin. Voilà. Donc je l'ai acheté. Mais c'est pas le meilleur qu'ils aient fait. Ils ont un peu abusé sur le côté magie. Hein, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout magiques. Ils nous ont juste mis des petites étoiles à droite, à gauche. Et puis, vas-y, c'est magique. Wouh. Donc voilà. Bon, bah, cette scène, on l'a clairement dans plein d'autres livres. Hein. Ratatouille. Voilà, moi j'ai fait celui-ci. En quoi est-ce que Buzz est magique? Ah bah si, il s'éveille quand personne ne le regarde. Ouais, ça peut être magique. Hein? Oui, beaucoup d'étoiles, beaucoup d'étoiles. Celle-ci, je l'aime bien, mais on l'a ailleurs, si je ne m'abuse. Hein? C'est pas comme ça, je l'ai toujours pas mis en couleur. Ceci aussi on l'a ailleurs, je crois. Ceci aussi on l'a ailleurs. Il a une tête chelou, lui, non? Je sais pas. C'est magique, ce Disney-là. C'est en avant. J'ai toujours pas vu. Je crois pas qu'il est sur Disney. Alors, je déménage en Belgique pour avoir les choses en temps et en heure. Du coup, j'essaye de voir si c'est vraiment pas magique. Mais pour l'instant, si, c'est quand même magique. Là, il n'y a rien de magique. Dans là-haut, il n'y a rien de magique. Ah, je vois que ça clignote. On va peut-être être coupé, les amis. Si ça, ça, ça va, c'est magique. Il y a toujours des bords, des... Il n'est pas évident quand même, je trouve. Parce qu'il y a toujours des fleuritures un peu partout, hein. Ça serait pas Jean-Luc Guérin, ça? Non, je sais pas qui l'a fait, celui-ci. Là. Hein, c'est moyen, hein. J'aime bien cette scène. Elle a quelque chose de magique, Mulan? Je crois pas. Hein. Dumbo, c'est pas trop de la magie non plus. Enfin, je sais... Il me semble pas. Hein. C'est juste qu'il a des grandes oreilles, donc il vole. Mais si, il y a peut-être de la magie là-dedans. Après tout. Je sais pas. Je connais pas. Donc oui, j'étais médisante, il y a quand même pas mal de magie quand même. C'est qui? C'est Rebelle? Ça me dit rien ça. Faudrait que je le re-regarde un coup. Bon bah finalement, si, on va dire qu'il y a des choses magiques quand même. Mais bon, il y a quand même blindage d'étoiles. Hein, hein? Mais bon, ça va me faire mettre du midas un peu partout. Ah,
On voit le bon cocktail, Jules. Celui-ci, on l'a dans un autre aussi. Il me semble. Quoique. Je sais plus. Mais oui, celui-ci, je l'ai entamé grâce à le groupe Facebook où je vais tous les mois. Je me cale toujours un livre où j'ai du mal à lire, qui peut commencer ou quoi. Comme ça, ça me met un coup de pied au cul. Donc voilà pour ce bloc. C'est pas le must-have, hein, franchement. Voilà. Il faudrait que je l'avance, que je le continue. Donc voilà pour cette présentation de livres. Je vous fais des bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.